Échauffement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Petit sport d'abord. Petit sport. Échauffement. Oh, petit échauffement. Voilà. Est-ce que ça va? Petit échauffement. Échauffement. Ben, j'arrive là. Échauffement. Bonjour les gars, c'est de partager la vidéo. On va décortiquer ce buzz là. Partagez-moi s'il vous plaît, c'est le chouchou. Voilà, je suis chaud. Papa n'a 12K. Mon autre portable là, c'est tombé dans l'eau. C'est à cause de ça, je peux pas partager. Donc, et puis, je fais ce direct là sur ma page DJ Publicité de London. Mais à partir de demain, je reprends ma nouvelle page Papa n'a 12K. Donc, ceux qui ne sont pas connectés là, allez vous abonner en même temps sur ma nouvelle page Papa n'a 12K. Voilà. C'est là-bas, ça s'est passé. Partagez pour moi parce que je ne peux pas partager. Voilà. Jean-Roland, il faut partager. Voilà. Eric Ponfil. Ah oui, hein. Ben, vous savez, hein. On va faire comment? Papa n'a 12K. Bijou. Ah, mon élément très très fort. Bijou Kawaye. Voilà. Depuis le Gabon, hein, je pense. Partager direct là. Voilà. Vous savez que Facebook, là, ils sont devenus impolis. On peut plus jouer musique. Tu vois, non? Ils sont jaloux. Voilà. On peut plus jouer musique. Dès que tu joues musique, n'est-ce pas problème? Même quand tu chantes simplement, tu as tous les problèmes du monde. Ou un peu long. Voilà. Donc, je vois les gens, ils sont en train de se connecter. Connectez-vous. Mettez le cœur. Ouais. Pauline Sawadogo, big up à toi depuis ta position. Il faut partager dans le groupe. Là. Moi, il n'est pas groupe. Je suis le seul blogueur qui n'a pas de groupe. Les gars là, ils ont le groupe, hein? Les blogueurs là. Il y a les 1500 partages, les 2500 partages, les 4500 partages, les 800 partages, les 1000 partages. Hey! Je suis le seul qui a les 100 partages, 200 partages. Si c'est trop, c'est 300. Parce que je n'ai pas de groupe. On va décortiquer les buzz. Voilà. Tito Dago. Depuis ta position, big up à toi à Londres. Eric Panfil, toi-même tu sais, depuis ta position, voilà, au Gabon. Je fais big up à tous les Gabonais. Voilà. Bientôt même, j'ai parti au Gabon. J'allais taper au moins une semaine au Gabon. Je dois aller une semaine au Gabon. C'est ça qu'on appelle vacances. Tu vois, non, tu vas en vacances, tu cherches un pays et puis tu vas.
Hein? Ce n'est pas seulement toujours aller dans son pays d'origine, non. Voilà. Moi, avant le confinement, je voulais bouger un peu. Je suis parti au Ghana. Hein? J'ai fait 2 semaines au Ghana. Après, je suis parti au Kenya. J'ai fait 1 semaine au Kenya. Moi, j'aime bouger. Voilà. Donc, les pays que j'ai envie vraiment de connaître, c'est le Gabon et puis là, ben, je ne sais pas si on dit la Centrafrique ou bien le Centrafrique parce que apparemment le dictionnaire Larousse a corrigé sur cette histoire de la Centrafrique ou bien le Centrafrique. En tout cas, j'ai trop envie de connaître ce pays-là. Bangui, voilà. Donc, je vais connaître ce pays-là, Bangui, je vais connaître le Gabon. Ouais, c'est les 2 pays, j'ai l'envie de connaître d'abord et puis après, bon, on voit le reste. Au moment où d'autres personnes cherchent à aller aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas, hein? Moi, je cherche à aller au Gabon, je cherche à aller à Bangui, ouais. Sinon, mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine, je suis né là-bas. Je suis né à Yopougon, terminus 40. J'ai passé mon enfance là-bas. J'ai volé mon premier vélo là-bas. J'ai ciré chaussures là-bas. J'ai dansé au terminus 40. J'ai bu ma première bière au terminus 40. J'ai baisé pour la première fois au terminus 40. Pas encore. J'ai mangé mon premier garba au terminus 40. J'ai dragué la première go au terminus 40. Tout ça, ça a été toujours terminus 40. Hé, Tina Nda, elle me voit, elle est contente comme ça. Hein? Elle est contente de me voir. Je connais Tina. Elle est à Londres ici. Elle s'appelle Tina Nda. Elle me voit, elle est contente. Et après, maintenant, derrière moi, hein? Alors, elle est fâchée qu'elle me voit. Venez, on va parler un peu de buzz. De ce jour-là, il y a des buzz, il y a des relations. Les gars, EV se foutent de nous, quoi. C'est quel buzz on regarde de ce jour-là. On voit Tchesko le Sultan, hein, avec leur beauté, s'amouracher, semblant de love. Arrêtez pour vous, là. Arrêtez ça. Arrêtez-moi ça. 2023, plus de buzz. On veut du concret. On veut du concret. Lucrèce, ah, tu as vu, non? J'arrive. On veut du concret. Ok. Partagez vidéo là. Parce que je vais décourager les buzzers. Je vais décourager les buzzers. En 2023. 2023 commence encore, vous venez avec vos conneries de buzz. Grandissez, on n'a qu'à grandir. Grandissons, nous vivons. Buzz là, ça prend plus. Buzz, ça prend pas. Ça là, c'est buzz. Partagez vidéo là d'abord. Hier rentré, boulé comme ça. Quitte. Tinanda, son ça y est fait. Quitte. Adama. Oh. Mettez le cœur, je ne vois plus le cœur. C'est quoi? Il ne veut pas le cœur. Mettez le cœur d'abord. Voilà. Mettez le cœur, il est rentré boulé. Je vois le cœur d'abord avant de rentrer bouler. Échauffement du cœur, échauffement. Ah! Eh! Ina Doué! Elle est connectée. Big up à Ina. Ina, elle est en train de taper mon dos, mais bon, c'est pas grave. J'accepte. Hey, mon champion, c'est nouveau. Big up à toi. Oui, partagez vidéo là, mettez le cœur.
partagez la vidéo, mettez le cœur. Bon, je vais pas trop durer, vous savez, hein. On n'est plus trop actifs sur Facebook, mais quand on sort là, on met K et puis on rentre encore dans, en brousse. On attend encore une semaine. On vient, on met quoi et puis on rentre encore en brousse. Après, on vous laisse maintenant. Faites les vidéos, insultez-nous, faites les directs. Ça, c'est vous qui voyez. Nous, on nous a déjà dit qu'on est vieux. On est vieux, on a duré sur Facebook. Donc, on doit quitter sur Facebook. Bon. Moi, je vous ai déjà dit, je vais quitter sur Facebook quand j'aurai 115 ans. 115 ans, j'arrête Facebook même. Quand j'aurai 115 ans. Sinon, pour moi, là, on va lutter avec la nouvelle génération. Même génération en bas, là. On va lutter. Je suis là. Voilà. Bon. Bonjour, bonjour. Voilà. C'est votre chouchou. Papa n'a 12K. Allez vous abonner d'abord sur ma page. Papa n'a 12K. Voilà. Je fais ce direct sur cette page-là parce que mon autre portable là est bizarre. Donc, tu vois, donc je fais ça ici en même temps. Donc, je disais, il y a un buzz là. C'est buzz. Lolo Beauté, Tiesco, le sultan. C'est buzz. Voilà. C'est buzz. Vous-même, quand vous regardez Tiesco là, est-ce qu'il ne ressemble pas à buzz? Quand vous regardez Tiesco le sultan, est-ce qu'il ne ressemble pas à buzz? Quand vous regardez Lolo Beauté là, est-ce qu'elle ne ressemble pas à buzz? Les vrais amoureux là, ils ne s'affichent pas. Voilà! Les vrais amoureux, ils ne s'affichent pas. Ouais, connaissez, on connaît. C'est Gaou seul qui passe. Quand tu es amoureux, vrai, vrai, tu as trouvé l'homme là. Tu ne l'affiches pas. A TC qu'affiché. Quand on est fan, quand on a croisé l'âme sœur, on ne l'affiche pas. On s'est gouré. Hein? On s'est gouré. On rend la relation là. On rend la relation là. Forte. Et puis après, le jour du mariage, comme ça, tout le monde est étonné. Tu attends, bim! Tu y as. 2023. Même jour là, vous venez pour dire que ouais, vous êtes en relation, vous vous placez loin là-bas, vous avez un repéro qui est portable. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'on est suite? Hé, hey, Jenny Aline, big up à toi, Jenny Aline, elle est blogueuse, hein. Elle fait les théâtres aussi, tout ça, allez vous abonner sur sa page, elle s'appelle Jenny Aline. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'on est suite? Ils ont pris un repéro, le repéro est loin, et puis il est portable, maintenant il essaie de filmer, hein, non? Il faut faire ce comme on est en train de manger. Et puis, il faut voir le repéro. Il est comme ça. Ah! 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 2023 encore. Vous voulez créer quoi? Hein? Hein? Non, c'est le repéro avec mes frères lui-même. Le repéro. Tiens, mon frère, ton travail n'est pas facile. Hein? Ton bar n'est pas facile. Je parle du repéro. Le repéro qui a filmé le bouteille, qu'est-ce qu'on le suit? Mon frère, ils t'ont payé combien même? Tiens, j'imagine. Tu es là, tu dis, ouais, 1, 2, 3, allez-y. Et puis on voit, qu'est-ce qu'on le suit? Il fait sortir la bouteille de champagne, il sert le bouteille. Le bouteille aussi, elle sourit. Jean, qu'est-ce qu'on, elle veut toucher sa barbe. Hein? Dès que le repéro a fini de filmer net, il a coupé net, et puis il fait ça. C'est fini quoi. Ils n'ont qu'à refaire. 2023. Bon. On va aller sur le résumé maintenant. Non, ils ont fait séance de photo. Audrey, c'est buzz. Les gars, bon, je me mets au sourire maintenant. C'est le chouchou DJ Publicité de London. Alias Papa dans 12 cas. Lolo Beauté, vous oubliez un truc. Hein? On était tous à la Libye. Hein? On était tous dans la Libyas. Ça, c'est nos scénarios qu'on faisait à la Libyas.
C'est notre scénario qu'on faisait à la Libye. À la Libye, c'était ça. Hein? Bon, Makosso doit sortir. Et puis, voilà. Tu es prêt? Tu es prêt? 1, 2, 3, 4. Quand il sort, on attend 30 minutes, 1 heure. Et puis, chacun sort. C'est buzz! C'est buzz! C'est buzz! C'est ce que le sultan et Lolo Beauté, c'est du buzz. On était tous à la Libyas. Ou bien vous avez oublié. Lolo Beauté, tu as oublié qu'on était à la Libyas. C'est pas nos scénarios de la Libyas là. Tu sais comment j'ai su que c'est buzz? Lolo, tu sais comment j'ai su que c'est buzz? Quand tu as fait ton direct là, et puis un coup comme ça, je vois Loli la fracasseuse. Loli. Bon, elle dit, il faut plus, on va l'appeler la fracasseuse, c'est vrai. Elle s'appelle Loli la lumière. Quand il y a vu Loli la lumière, fait direct net, yo, c'est beige. Parce qu'on était à la Libyas, là. Quand on manigance quelque chose à la Libyas. Quand il y a quelqu'un qui doit faire une vidéo de buzz, et puis on va sortir. La première personne qui doit sortir d'abord, c'est Loli la fracasseuse. Qu'elle sort. Elle jazzin. Et puis après, l'unique, il sort. Il jazzin. Après, Aya Robert sort. Elle jazzin. Après, Yaka Yaka sort. Il jazzin. Moi aussi, je sors. Il jazzin. Ainsi de suite. Ah, buzz. En 2023, là, arrêtez les buzz. On veut du concret. On veut du concret. Parce que moi-même, comment j'ai su que c'est buzz? Parce que, attends, Lolo Beauté ne peut pas avoir une option. Lolo Beauté, son grand frère vend une option. Les dangereux une option. Hein? Ou d'après Makosso, quand tu prends une option là, tu as mariage en même temps. Tu as les babatiers en même temps. Tu as les PSGO. C'est-à-dire ceux qui ont l'argent là. Ils sont blessés. Waouh! Adama. Lolo Beauté. Ma Gigi. Bonne année l'argent. Bonne année l'argent. Même si y a pas de billet là, faut donner monnaie là. Je me devrais ça, hein? Monnaie là, sûrement ça m'arrange. Je disais, les gars, on grandit. Nous sommes en 2023. Ton enfant qui avait 20 ans, il a 21 ans. Ton enfant qui avait 30 ans, il a 31 ans. Ta fille qui avait 10 ans, elle a 11 ans. Nous sommes en 2023. Arrêtez les faux buzz, les bad buzz inutiles. Nous sommes... Attends. Ça, buzz là, ce n'est plus à la mode. Ce n'est plus à la mode. On fait du concret. Mariez-vous vrai, vrai, on va voir. Mariez-vous vrai, vrai. Amouragez-vous vrai, vrai. Ça fait bim. Arrêtez vos buzz de quoi. Qu'est-ce que le sultan hein? Qu'est-ce que le sultan est avec Lolo Beauté? On boit de l'eau ici ou bien ça sort ici. Qu'est-ce que le sultan? Qu'est-ce que le sultan même hein? Son sympa, c'est buzz. Bab là, c'est buzz. Oreille là, c'est buzz. Musique là, c'est buzz. Quand est-ce que le sultan allume son portable? Tout est buzz. Et ça n'a jamais raté. Papa n'a buzz. Qu'est-ce que le sultan? C'est le roi des buzz. Il est fan de buzz jusqu'à y apparaître. Il aime buzz plus que... Non, plus que tout. Et puis Lolo Beauté. Lolo Beauté. Jean, tu avais qu'est-ce que le sultan, quoi. Hein? Et puis moi. Les autres, là, ils peuvent avaler. Hein? Les autres qui sont corrompus, là. Et puis faire des vidéos pour dire que vous êtes ensemble. Mais moi, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas parce que je sais à 1500%
que c'est buzz. Loli, la lumière, elle a fait vidéo sur ça. C'est que c'est buzz. On était à la Libias, non? On était à la Libias. C'est même schéma là. Même scénario là. Même chose. Bon, on va faire buzz. Et puis bon, toi, tu as fait live, ok? Tu as fait direct, tu as fait vidéo sur ça. Et puis, on va alimenter. Aya Robert, pourquoi Aya Robert ne fait pas vidéo? Parce qu'elle n'est pas d'accord avec Lolo Beauté. Pourquoi Yaka Yaka ne fait pas vidéo? Parce qu'il n'est pas d'accord avec Lolo Beauté. Et j'en passe. Ceux qui sont d'accord avec Lolo Beauté, là, ils ont fait live. Pour alimenter quoi? Jean, pour alimenter, pour rendre ça vrai, tout un homme, pour alimenter là. Là, qu'on va regarder net là. On va dire que non, c'est la vérité. Jusqu'à Marco soit fait live. Depuis quand? Depuis quand quelqu'un peut faire live sur la relation de sa petite soeur de sang? Ça n'existe pas. Quand j'ai vu live de Loli, la lumière, et puis j'ai vu live de Makoso, je savais que c'était du buzz. Parce que quand on aime sa petite soeur, on ne fait pas vidéo sur sa relation. Nous sommes humains. Non? Nous sommes humains, nous sommes majeurs. Nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Moi, j'ai au moins 8 petites soeurs. J'ai 8 petites soeurs, 8. Elles sont mariées. Toutes mes petites soeurs sont mariées. Toutes mes petites soeurs sont mariées. Mais vous avez vu, j'ai parlé de ça? Non, parce que je protège mes petites soeurs. C'est le sang qui coule. Donc je protège mes petites soeurs. Donc si Lolo Beauté, elle a trouvé l'âme soeur, vraiment. Elle a trouvé l'amour. Makoso ne va jamais faire direct. Parce qu'il va toujours protéger sa petite soeur. S'il allait faire direct, c'est que c'est buzz. Lolo Beauté, si elle est amoureuse, si elle a trouvé l'homme de sa vie, elle ne va jamais faire direct. Elle n'a pas dit qu'elle avait un Américain. Elle n'a pas dit que... Lolo Beauté n'a pas dit qu'elle avait un Américain. Lolo Beauté n'a pas dit qu'elle avait un Américain. On a su ça quand? On a su ça peut-être quand la relation est gâtée. Sinon, quand c'était vrai, vrai, elle a fait direct. Jamais. Elle n'a pas fait direct. Toutes les femmes qui sont amoureuses, toutes les femmes qui ont rencontré le bonheur, l'homme idéal, ne parlent jamais de ça. Chacun cache ça. On cache, on brûle. On cache la relation jusqu'à ce que la relation soit soudée. Ou bien un matin, tu attends, bim, il y a mariage. Un matin, tu attends grossesse, bim. Celle-là, on parle de ça parce que nous sommes arrivés loin. Il y a grossesse, il y a mariage, il y a, voilà, il y a bébé, il y a nouveau-né. Celle-là, on parle de ça. 2023, où tous les rampés, là, tous les mendiants, nous sommes en train de dénoncer tous les mendiants. Là. La famille des pères d'Aloi, les choses là. On est en train de dénoncer là. Lolo Beauté avec Tchesko le Sultan, vous allez venir dire que vous êtes en relation. Je n'ai pas dit que c'est impossible, non. Je n'ai pas dit que c'est impossible, non. Mais votre relation, ça là. Votre relation, ça là. C'est buzz hier, c'est buzz aujourd'hui, c'est buzz demain. Et c'est buzz plus tard. Mais vous avez le droit de vous mousser. Peut-être que vous allez mousser. Parce qu'il y a un adage de Terminus 40 qui dit pile levée est sans conscience. Quand c'est debout, là, la seule truc qui peut faire dormir ça, c'est le pétou. Donc, Tchesko, le Sultan, Lolo Beauté, ils peuvent se mousser, oui. Mais pour dire relation, là, ATC, ATC, c'est faux, c'est du mensonge, c'est du chose. Et moi, je suis venu dénoncer parce que nous sommes en 2023. 2023, abat les buzz, abat les bad buzz, abat, no.
Non. Faites vos vidéos, faites vos lives, faites tout ce que vous voulez, on est d'accord. Mais le buzz, fabriquer le buzz, imaginez le buzz, vous on s'appelle là. Et hey, Joe, voilà, il a fait un truc avec Tesco. Hein. Voilà. Donc quand on fait là, voilà, on a mis un repéro. Le repéro, il est en train de filmer actuellement. Donc quand il va finir là, hein, j'ai donné à. Bon, j'ai donné à chose à qui? Bon, je vois si je peux donner. Parce que si je donne à Loli pour partager, on va savoir que c'est buzz. Bon, attends, j'ai donné ça à qui même? Bon, j'ai donné ça à peut-être Stéphanie Kouadjo. Bon, j'ai donné la vidéo à Stéphanie Kouadjo. Comme elle est nouvelle là, bon, si elle partage, on va pas savoir que c'est Lolo Beauté qui a donné la vidéo. Bon, donc, on prend quelqu'un qui n'est pas trop connu ou bien quelqu'un qui vient d'arriver dans le blog. La personne balance ça depuis Abidjan ou bien depuis sa position en France. Et puis maintenant, on alimente. Partagez le live. Ça partage, ça partage, ça partage, ça partage, ça partage, ça partage. Et puis bon, il y a plein de personnes qui ont plein de. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de pages pour faire les copier-coller. Donc, il y a d'autres qui ont 6 pages de copier-coller. Donc, si moi j'ai 6 pages de copier-coller, je prends la vidéo là, je coupe, 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 coupe. Je fais ci comme c'est l'amour. On partage 1, on partage 2, on partage 3, on partage 4. Et puis bon. Hé, hey, Loli, pardon, hein, il faut faire un live sur ça. Bon, moi tu peux me jaser. Moi tu me jaser un peu. Tu vois, non? Maintenant tu jaser Tesco. Tu jaser Tesco même. Et puis après, hein, ok, il faut dire la chose aussi, hein, hein, voilà, il faut dire l'unique. Il n'a qu'à bien, il n'a qu'à taper fort, il n'a qu'à taper fort, Tesco. Voilà, là, on va savoir que, là, on va voir que vraiment, c'est il aura de la crédibilité sur le buzz. Hein, tu as compris? Attends, ouais, attends. Non, 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 je ne peux pas appeler Ayao. Toi-même, tu sais que nous sommes en parole. Il y a quelqu'un qu'on en parle, donc il ne peut pas faire vidéo sur ça. Mais je compte sur toi, hein, Loli. Voilà, je compte sur toi pour faire le live. Et puis, je vois aussi, chose, Makoso, s'il peut appuyer aussi. Bon, maintenant, comme moi-même, j'ai 6 pages. J'ai 6 pages de copier-coller. Je vois si je peux donner un peu à la chose. Et Nizuno ou bien Sarah Messan, elles vont bien faire le copier-coller, puis ça va prendre. Ah, dame. Adam. Voici le scénario qui est là. C'est ce qu'on faisait à la Libias, non? C'est ce qu'on faisait à la Libias. Hein? Hein? On prend les vidéos là, on donne ici, on donne là-bas, on donne ici, on donne là-bas, et puis ils font copier-coller. Et puis bah! Sinon, tiens quoi le sultan? Monsieur Nabez, tiens quoi le sultan? Oh. Toi aussi, hey Tesco, toi aussi, toi aussi, vraiment, hein, Tesco. Buzz qui n'a pas pris au début, là, ça ne peut pas prendre à la fin. Tesco, je te parle maintenant en tant que frère. Je te parle en tant que petit frère. Tesco, qui dans ça, là? Tu es un artiste, chanteur. Chante la musique. Chante. Faut persister, persiste dans la musique. Faut pas relâcher. Fais sortir les sons. Fais sortir les spectacles. Chante partout, dans les cabarets, dans les boîtes, dans les parcs, dans n'importe quel coin où on t'appelle pour chanter. Va chanter. Parce que tu as décidé d'être un chanteur. À force de forger, on devient forgeron. Si Alpha Blondy voulait se décourager, il n'était pas Alpha Blondy. Alpha Blondy, il a chanté, ça n'a pas pris. Il a pris bourse d'études pour aller aux États-Unis. Il allait laver assiette aux États-Unis. Il a lavé assiette aux États-Unis. Il chantait, il chantait, il chantait. Ses amis l'ont découragé. Il est revenu en Côte d'Ivoire dans les années 80. Il dit, va chanter. Les gens se sont moqués de lui. Ils se sont moqués d'Alpha Blondy. Il a persisté, persisté, persisté. Il allait ramper, ramper. Il a fait ramper, ramper devant Roger Fulgence Cassie. Il a rampé. Il dit, vieux, grand frère, mon ami, pardon. Fais-moi passer à première chance. Dans le, dans,
En ce temps, c'était Première Chance qui donnait vraiment la chance aux artistes. Afa Blondy a fait disque, ça n'a pas marché. Il a fait disque, ça n'a pas marché. Il a fait disque, ça n'a pas marché. Il ne s'est jamais découragé, Afa Blondy. Il a persisté. Un matin, tu attends. Brigadier Sabari. No ko we we, we yo yo. Brigadier Sabari. Neko aïe 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 aïe. Ça fait bim! S'il voulait se décourager, est-ce que son brigadier Sabari là, ça allait prendre? Parce que Alpha Blondy a fait beaucoup d'albums d'abord, avant que Brigadier Sabari ne prenne. Je te donne un autre exemple. Tiken Dia de Fakoli, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu de mes propres yeux. Au Terminus 40, en face de Sagidiba. Tiken Dia, il avait une vieille guitare. Je vous parle de 1994 ou bien 95. J'ai oublié même entre les deux là. J'ai vu Tiken Dia. Il avait les petits rasta comme ça là. Ce que les femmes appellent les torsadés ou bien quoi là. Il était maigre. Il n'était pas mince. Tiken Dia n'était pas mince. Il était maigre. Il l'a fait à son moment maintenant. Lui, à son temps maintenant, c'était cassette. Voilà. Afa Blondy, c'était disque. C'était autant de disques. Mais pour Tiken Dia, c'était autant de cassettes. Il a fait première cassette. Poto! Deuxième cassette. Poto! Troisième cassette. Poto! Au Terminus 40, vous qui connaissez Abidjan, à Yopougon, en face du cinéma Sagidiba, il y avait un bloc célibataire là. Derrière bloc célibataire, c'est là-bas habitait Tiken Dia. Il est quitté à Bobo, parce qu'Abobo était tellement chaud, il est redescendu à Yopougon. On a une amie là, c'est elle qui est venue nous dire que non, elle a un ami qui chante, il chante reggae là-bas, tout ça. Nous-mêmes, on se moquait. On se moquait de Tiken Dia. On dit, mais le sang de quel chanteur ça là? Mais il a persisté, il a forcé jusqu'à... Il est devenu forgeron. Il a fait bim, son son qu'on appelle... Ils allument le feu, ils activent, et après, ils viennent jouer aux pompiers, man. On a tout compris. Je ne sais pas si c'est 95, 96, 97. En tout cas, c'est entre les trois années-là. Madolomi, Dromina, Benga, on a tout compris. Madolomi, Mlamlaka, Benga. Pourtant, il avait fait beaucoup de chansons. Donc, Tiesco, c'est pour te dire, il y a trop d'exemples. Je te donne exemple encore. Magic System, combien de funérailles ils n'ont pas chanté? Ils ont chanté dans combien de funérailles? Moi-même, je les ai croisés dans un funérail ici, à Yopougon, surtout à Yopougon, où il y avait Fitini, il y avait Asalfo, il y avait les choses là. Premier Yodé, les cocos là. C'est les cocos, dans funérailles. Ils ont chanté jusqu'à. Moi-même, je dirais Asalfo comme ça, il dit ouais. Tu sais que le Mongol, il a fait une semaine sans manger. Les gars se moquaient d'eux. On se moquait. Ça se moquait. Mais si les gars voulaient se décourager, qu'est-ce que le sultan? Ils ont fait beaucoup de cassettes. Ils ont fait les chansons dans les funérailles un peu partout. Mais un matin, on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Ça fait bim! Mais tu penses que si Magic System... devait se décourager ou bien voulait se décourager, ils allaient faire premier Gaou. Non, il faut persister. Qu'est-ce que le sultan, faut persister. La vie là, c'est le travail. Rien ne se ramasse sur terre, rien. Nous sommes les enfants de Poignon. Mettons-nous au travail. Qu'est-ce que, mets-toi au travail, faut jamais te décourager. Un jour là, ça va percer. Mais tu ne peux pas presser en faisant des buzz. Parce que le passé, là, ça rattrape. Le passé rattrape. Les faux buzz que tu es en train de créer avec Lolo Beauté. Tu as tellement fait les buzz. Tu as fait tout. Tu as fait buzz de chansons. Tu as fait buzz de femmes. Tu as fait buzz de vol. Tu as fait buzz
télé, tu as fait buzz de radio, tu as fait buzz de concert, tu as fait toutes sortes de buzz. Tu allais ramasser même des filles pour venir faire des vidéos, des lives. J'en buzz, ça n'a pas pris. Toi-même, tu as pris ta pine. Jesco, tu as pris ton bangala pour faire buzz. Ça n'a pas pris. C'est ta musique là, nous on veut. C'est pas ce que tu es en train de faire à côté là, Jesco le soutien. C'est ta musique là, on veut. C'est ta musique, on veut. C'est pas ce que tu as fait à côté là. Tout ce que tu as dit à côté là, nous on sait que c'est buzz. Ou bien tu n'as pas confiance en toi. Jesco le soutien, tu n'as pas confiance en toi. Il faut persister, s'il te plaît. Persiste. Tu as décidé d'être un artiste chanteur. Il faut persister, mon frère. Il faut persister. Il ne faut jamais relâcher. Il ne faut pas relâcher. Hein? La vie, là. La vie, là. On n'est pas même chose. On ne doit même pas être même chose. Parce que si tout le monde est même chose, la vie s'arrête. Il faut des hauts et des bas. Hein? Ton buzz avec Lolo Beauté, nous tous on sait que c'est buzz. C'est buzz. Hein? C'est buzz. Tes trois enfants sont à Paris là-bas avec les mamans. Qu'est-ce que tes trois enfants sont je sais pas, à Lyon. Qu'est-ce que le sultan? Tes trois enfants sont à Lyon avec les mamans. Hein? Tu n'as pas chassé la mère de tes enfants. À cause des choses, Lolo Beauté, maman a buzz. Hein? Lolo Beauté, c'est une belle femme, oui, mais c'est buzz. C'est buzz hier, c'est buzz aujourd'hui, c'est buzz demain. Moi là, ça ne me prend pas. Ça ne me prend pas. Surtout quand j'ai vu une vidéo de Loli la fracasseuse, ça m'a fait rappeler en même temps ce qu'on faisait à la Libyesse. Loli est sortie. En fait, tous ceux qui sont d'accord avec Lolo Beauté, là, ils ont fait live. Maintenant, ceux qui sont plus d'accord avec Lolo Beauté, il n'y a pas un qui a fait live. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il dit, ah... Parce qu'à la Libyas, là, on était tous d'accord. Donc, on faisait direct. Le jour qu'on n'était plus d'accord, là, personne n'a fait direct. Mais ceux qui ont... Je vous donne un exemple. Quand Makoso allait faire son buzz au Cameroun, c'est là, si on me voit, c'est là, la Libye s'est déchirée. Quand Makoso allait faire son buzz au Cameroun, c'est là, tout est gâté. Quand il a fait là, qui a fait direct? Ceux qui étaient avec lui là, c'est eux qui ont fait direct. Les Loli, l'Unique, qui encore? Loli est l'unique. En ce moment, Yaka était d'accord. Il a fait direct. Nous, on n'était pas d'accord de son arrivée au Cameroun. On n'a pas fait direct. Aya n'a pas fait direct. Moi, il n'a pas fait direct. Chanel T n'a pas fait direct. Les MJ, les Arrobas, Arrobatagra, il n'a pas fait direct. Donc tu vois, c'est trop téléguidé. Hein? Lolo Beauté, c'est trop téléguidé. Ton repéro qui a pris ton portable pour vous filmer quand vous étiez en train de boire champagne là. Hein? C'est trop téléguidé. Vous ne savez pas faire film. Vous ne savez pas faire scénario de buzz. Ça là, c'est trop facile. C'est trop clair, hein? C'est trop clair. Quand on veut faire buzz, on ne prend pas des personnages publics pour publier, pour parler de ça. Non, on prend des personnes inconnues. Je vous donne le topo. Lolo Beauté, tu connais aussi le game. Tu connais le game de buzz. On prend une personne qui n'est pas connue, c'est la personne qui partage, et puis bim, hein? Vous-même, vous dites que Emmanuel Keïta, elle fabrique les buzz, elle fabrique les trucs. Mais c'est qu'elle le fait bien. Elle fait ça bien. Parce que ceux qui publient les trucs d'Emmanuel Keïta, là, ce sont des personnes inconnues. Donc, ça prend. Tu vois un peu? Ça prend. Hein? Mais le repère, non. Moi, il y a de la personne qui a filmé le repère que vous avez pris pour filmer là.
Hein? L'Européen, est-ce que vous avez payé son argent? Parce qu'un jour, il va casser Papo. Hein? Il va casser Papo. Lolo Beauté, pardon. Tu as un an de plus. Il faut te marier, vrai, vrai. Il faut laisser les buzz inutiles. Ce que tu n'as pas eu dans buzz, le Lolo Beauté, où tout la Côte d'Ivoire était derrière toi quand tu as fait ton buzz. Si ça là, tu n'es pas allé au paradis. C'est baisse de Tiesco là, ça change ta vie quoi. Non. Hein? Ah? Tu n'as pas besoin de ça. Lolo Beauté, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as plus besoin de faux baisse, de back baisse. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tiesco soutient. Il y a sa femme à Lyon. Sa femme à Lyon, ils ont trois enfants là-bas. Dans tout ce qu'il fait à Abidjan, c'est buzz. Ok? Donc, tu es rentré dans le lot des buzz. Tiesco, papa n'a buzz. Lolo Beauté, maman n'a buzz. Et puis, vous allez nous dire quoi? Que vous êtes en relation quoi? C'est les moutons qui vont croire ça là. Les moutons. C'est les moutons qui vont croire ça là. C'est pas moi DJ Pissé. Ça ne me prend pas. Mais vous avez le droit aussi de vous baiser. Voilà. Vous avez le droit de vous baiser. Parce qu'il y a un adage qui dit pin levé est sans conscience. Quand ton bengala est debout, le seul truc qui peut faire descendre ça là, c'est le couetou. Donc, vous pouvez faire votre soin de buzz, mais s'il y a occasion de vous mousser, allez, baisez-vous. C'est normal, nous sommes des adultes. Baisez un coup là, ça ne regarde pas. Un coup, un ton. Baisez-vous, je suis d'accord. Mais ne dites pas que vous êtes en relation. Non. Lolo Beauté, elle vient faire son scénario là. Vous savez que l'amour, Lolo Beauté, là. Ah, tais-toi. Oh. Non. Qu'est-ce que je dis là? Toi, Lolo Beauté, tu as une option. Tu as une option. Tu as laissé les gens du Billon. Tu as laissé les Dangote. Tu as laissé les Emmanuel Macron. Hein? Ou une option, là, même, devait faire. Jean-Luc Billon allait te prendre comme ça. Ou bien, Dangote allait te prendre comme ça. Ou bien, Jean-Jacques Kwame, tu vois, il est bien grand, bien joli. Il a l'argent. Avec une option, là. Hein? Jean-Jacques Kwame, mais allait te faire à tout. Jean-Luc Billon allait te faire à tout. Dangote allait te faire à tout. Ça, là, avec une option, là, tu n'as pas eu ces personnes-là. Lolo, avec une option, tu n'as pas eu Jean-Luc Billon. Avec une option, tu n'as pas eu Dangote. C'était le Soudan, quoi. Papa n'a buzz. Non, Facebook, les gars, restent pas Facebook. Les gars, restent pas Facebook même. Donc, une option, là, ça n'a pas joué rôle. Lolo. Donc, une option, là, ça n'a pas joué rôle. Et tout, une option que Makoso t'a donné, là, c'était ce qu'on est dans. Hein? Non, tu sais pourquoi je ris? Je ne ris pas parce que c'est ce que je suis dans, il ne sait pas, il est bilingue. Non. C'est un joli garçon. Mais il est marié. Il est marié. Hein? C'est ce que je suis dans, là. Il vit avec sa femme à Lyon. Ils ont trois enfants. Hein? Donc, ce que vous faites là, nous tous, on sait que c'est buzz. Hein? Non. Moi, je n'encourage pas les buzz. Je n'encourage pas les buzz. Je n'ai jamais encouragé les buzz. Je suis contre les buzz. Allez travailler. Fais sortir tes sons. Cherche un autre système pour avoir de la visibilité. Hein? Il y a une année, Apoutou a fait buzz avec. Il y a une chanteuse, on dit une chanteuse togolaise. Là. Ça a fait bim, non? Mais ils sont où? Ils sont où? Elle est où? La Togolaise, là, elle est où? Un tout buzz qu'elle a reçu sur Facebook, là, ça a changé quoi?
ça l'a donné, ça lui a donné un disque d'or, ou bien ça lui a donné de la visibilité, ou bien elle a été reçue par les autorités un peu partout. Non. Buzz là, ça prend plus. Voilà. Faites du concret. Faites vraiment du concret. On va soutenir ça. Lolo Beauté, le jour où tu es vraiment amoureuse, le jour où tu as rencontré l'amour, je suis sûr que tu ne vas pas parler de ça. Tu ne vas même pas parler de ça. Parce que nous tous, nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Quand on croise une femme qu'on aime, là, on ne l'affiche pas. Quand on croise un homme qu'on aime, on ne l'affiche pas. Ouais. Il y a des blogueuses, elles font vidéo matin, midi, soir. Mais en réalité, là, elles sont en relation. Elles cachent l'homme. Elles ne parlent même pas de l'homme. Rien. Un coup comme ça, tu les vois comme ça, bim, elle est enceinte. Bim, elle a accouché. Bim, ils ont 3 enfants. Bim, ils ont 2 enfants. Bim, ils ont 6 enfants. C'est comment ça se passe? On ne peut pas faire publicité. Jean, quoi. Jean, vous êtes au star, quoi. Jean, tu es quoi, star? Lolo Beauté, tu es star. Donc, quand vous êtes en relation, là, ça va faire bim. Là, Lolo Beauté, on te voit un peu partout. Hein? Et puis, tu es quoi, on te voit dans Grand Mythe. Tchesco, c'est musique qui va te donner un grand mythe. C'est musique, c'est pas buzz qui va te donner un grand mythe. Donc, c'était mon petit conseil. Lolo Beauté et Tchesco le sultan, voilà, arrêtez pour vous là. Voilà, nous, on va pas faire ça. Voilà, moi, je vais pas faire ça. Je vais même pas faire ça même. Ça prend même pas même. Ok? Voilà, c'est le chouchou. DJ Plusseur de London. Voilà. Faites comme ça d'abord, voilà, pour dire que j'ai fait une vidéo sur Tchesco le sultan. Voilà. Voilà, ils ont fait comme ça. Ben, bonjour, au revoir, on va se laisser. C'était ma petite vidéo, juste pour rigoler, pour vous dire que voilà, ben, je suis toujours là, hein, que je vais arrêter le live quand j'aurai 115 ans. Voilà, je suis dans ceux qui disent que je suis vieux, je ne laisse pas. Je laisse pas. Arrêtez ce qu'elle laisse Facebook. Je laisse pas. Je peux sortir un temps, je mets bim et puis je ressors. Je viens, je mets quoi et puis je rentre encore en bourse. C'est comme ça que je suis. C'est mon truc. C'est comme ça que je fais vidéo maintenant. Ok. Je suis plus dans. Tu me clashes, je te clash. Tu me clashes, je te clash. Tu me clashes, je te clash. Je suis pas dedans. Ça, c'est démodé ça. Ça, c'est pour les enfants. Nous, les vieux, on vient, on met quoi et puis on quitte là. Allez, c'était le chouchou du député de London. Ouais, à toi, Bob, tu dis que tu viens d'arriver. Bon, après, tu reprends la vidéo. Hein? Je vais poster tout à l'heure. Donc, je ne veux pas que la vidéo fasse 1 heure, 2 heures. Non. Donc, c'était juste pour rigoler, pour causer un peu avec les abonnés. Pour vous dire, allez vous abonner. C'est une nouvelle page. Ma page, c'est Papa Nadouska. Voilà, Papa Nadouska. Et puis, Lolo. Tchesco, c'est buzz, avançons. On est en 2013, on n'a plus besoin des bad buzz. Ça prend même pas, bébé.